Et voilà, c'était la troisième et dernière vidéo de cette création, si on peut dire. Donc, voici le résultat final. Donc, je ne sais pas si on voit les parties qui brillent, mais voici ce que ça donne. Donc, cette troisième vidéo est publiée avant que les enfants commencent à faire leur finition, si on peut dire. Eux, ça va leur prendre facilement 2 ou 3 séances parce que c'est très minutieux, donc et qu'on n'a pas beaucoup de temps pendant une séance, donc ça va nous prendre 2-3 séances, je pense. Et je vous montrerai dans une autre vidéo toute la réalisation terminée avant qu'ils puissent l'amener chez papa et maman, parce que ça, ils ont hâte de pouvoir l'amener chez papa et maman. J'espère que ces petits tutos vous auront plu, qui vous ont permis de vous aussi faire vos propres créations. Surtout n'hésitez pas, si vous avez fait des créations par rapport à ces tutos, de les prendre en photo et de me les mettre, enfin de me les envoyer sur ma page Facebook qui est en barre d'infos en dessous. Et puis voilà, à vrai dire, une première création pour des tutos. Et bien d'autres qui vont arriver par la suite. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser des petits pouces pour encourager les enfants dans leurs projets. Et je vous dis à très bientôt pour les créations des enfants. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.